Hallo, vandaag is het Dagla en we zijn in Dunans in de Citadel. Maar met de geek staat hier. Hey, wacht eens, ik wil eens kijken, blijf hier. Bienvenue ici dans notre citadelle de Dinan et tenir ce beau animal Art le Welcome. Et une citadelle de Dinan. Donc la citadelle que vous visitez a été construite en 1818 par les Hollandais sur les vieilles pierres d'un château qui avait été construit en 1040 par un prince évêque de Liège. La citadelle de Dinan, c'était une caserne. Tout d'abord une caserne hollandaise jusqu'à 1830. 1830, la Révolution belge, ça devient une caserne belge jusqu'en 1868. La citadelle est maintenant devenue un musée, c'est ce musée que vous allez visiter. De citadelle, we gebouwd in 1818 door de Hollanders. Op de oude stenen werd een kasteel gebouwd in 1040 door een printbisschop van Luik. De citadelle van Dinant was een caserne, ten eerste een Hollandse caserne tot 1830. 1830 de Belgische Revolutie en na 1830 een Belgische kazerne tot 1868. En de citadel is een museum geworden en het is dit museum dat u nu gaat bezoeken. Voilà, we suivent. C'est plus facile parce que ça, je ne dois pas traduire, vous voyez, d'être technique totale. Nous nous trouvons ici dans la grande galerie militaire de la citadelle. Cette galerie a une longueur de 150 mètres, les murs ont une épaisseur d'environ 2 mètres. À travers les meurtrières, les soldats tiraient avec des fusils d'une longueur de 2 mètres, vous les verrez tout à l'heure dans la salle d'armes, les canons des fusils sortaient des murs. Les soldats tiraient tous ensemble, sans viser, sans rien voir, juste pour faire un effet de masse. Il tirait également sur deux étages différents. Nous avons exactement la même galerie qui se trouve ici dessous. Et c'est la raison pour laquelle les meurtrières sont si près les unes des autres. Sont trois salles avec des reconstitutions historiques. Et la première vous montre la mise à sac de Dinan par Charles le Téméraire en 1466. 800 Dinantais furent liés deux à deux, dos à dos et jetés dans la Meuse. Et toute la ville fut anéantie. La seconde est une représentation de Vauban, qui était architecte sous Louis XIV et qui a construit toutes les fortifications de la ville au XVIIe siècle, aussi un château pour Louis XIV à l'emplacement de cette citadelle. Et la troisième, c'est la salle du combat. Le 15 août 1914, il y eut ici, au bout de cette galerie, un combat entre les soldats français et les soldats allemands à la baïonnette. Et il y eut 58 morts du côté français et 12 morts du côté allemand. Deze drie laatste zalen van de galerij zijn drie zalen met historische voorstellingen. En de eerste toont u de plundering van Dinant door Karel de Stout in 1466. 810 woners van Dinant werden twee aan twee en rug aan rug samengebonden en in de Maas geworpen. En de hele stad was vernietigd. De tweede is een voorstelling van Vauban, architect van Lodewijk de XIV. En Vauban heeft hier al de vestigen van de stad gebouwd in de 17e eeuw. Ook één kasteel voor Lodewijk de XIV aan de plaats van de citadel. En de derde zaal is de gevechtszaal.
28 soldats français et des 12 soldats allemands tués au bout de la galerie ont été brûlés 5 jours après le combat à l'endroit où se trouve la pierre juste devant l'escalier. Et les cendres de ces soldats reposent en dessous de ce monument. Les cendres des soldats français et allemands sont ensemble. D'Achten Werftig, Franse soldaten, de 12 Duitse soldaten die dood waren in de galerie, werden 5 dagen na het gevecht verbrand waar de stenen lekten zo de trap. En de as van die soldaten rust onder het monument. Hallo, wij zijn nu in de gevangenis. Van de oude gevangenis. Op een ogenblik zult u 1 guillotine zien, daar stopt u een wat op mij. Ja? Maar goed kijken, in de eerste cel gaat iemand zien die u kent. Moet gaan. Ja hoor. Hij is zelf. Op guillotine maar. Guillotine moet je wachten, Karin. Ja. Mijn god, dat is echt een gevangen. Zo was dat. Kom bij mij en ver de muur, s'il vous plaît. En dan breng ik zo veel mogelijk naar mij en na de muur door de kerk. Het is de 1820. Les instruments de torture. De la même époque est une table de supplice pour parricide. Sur cette table, en 1820, on tranchait la main droite aux personnes qui avaient tué un de leurs parents avant de les guillotiner. Donc on leur tranchait d'abord la main droite, ensuite la tête. Ceci est donc une guillotine aussi, dans le temps de la clino de fing. Paul Verteug est un waterhoofdstapel. Et die waterhoofdstapel dient donc de rectorant te werken. Aan iemand die een van zijn ouders had vermogen voor naar de guillotine te gaan. Dus ten eerste de rechterhand afgehakt en dan de Les canons, vous voyez ici dans la cour, ont été fabriqués à Liège entre 1818 et 1830, toujours pendant cette période hollandaise. Dus al de canons. Hier op het pleintje werden te luik gemaakt tussen 1818 en 1830, Hollandse periode altijd. Nous allons maintenant passer sur le point de vue de la citadelle. Nous serons là à une hauteur de 100 mètres au-dessus du niveau de la Meuse. Dus nu gaan wij naar het uitzichtpunt van de citadelle, waar wij ons op een hoogte van 100 meter boven de Maasspiegel zullen bewegen. Berlin, wauw, heel de stad. Mooi. Vers moi, s'il vous plaît, je me permets de vous scanner.